chose à moitié. Ennemi déployé dans la zone. Destination marquée. Les prix ont été rétablis. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. It was at this moment he knew. He messed up. Et yo l'équipe, c'est Rookie, donc voici la classe que j'ai utilisée dans cette vidéo de top 1 avec du coup en bouche le Jack BFB qui est donc le nec plus ultra en termes de recul, hein. Il suffit de voir le contrôle du recul quand vous voyez des moins 60, moins 20, moins 40%, ça régale. N'oublions pas quand même que l'inconvénient c'est que du coup bah, forcément on apparaît sur la minimap puisqu'on n'est pas silencieux, ça va de soi, mais que contrairement à un autre compensateur quel qu'il soit, ou par exemple, je sais pas, moi si je prends ces compensateurs là, vous allez apparaître en point rouge pendant 3 secondes à peu près sur la minimap. Avec le Jack BFB, l'avantage c'est que donc, vous avez un contrôle du recul qui est inégalable. L'inconvénient c'est que vous apparaissez sur la minimap en mode drone amélioré, c'est à dire que vous apparaissez sous la forme d'un gros point avec du coup la flèche directionnelle dans laquelle qui montre la direction dans laquelle vous regardez. Donc vous êtes un peu plus cramé sur un minimap, mais voilà, après faut le savoir et il faut jouer en fonction. Mais en tout cas en termes de recul c'est une dinguerie. Après en termes de canon, j'ai mis le canon précision. J'avais essayé l'autre mais franchement je trouve que le précision est bien mieux pour la MTZ-162, puis après en poignée la classique, la poignée lourde de soutien Bruen. Et puis en viseur, j'ai opté pour le Nidar modèle 2023 au lieu de la fameuse Corio Eagle Eyes pour avoir plus de facilité à contrôler en fait, le recul visuel. Et enfin, le chargeur 40 cartouches qui normalement n'est pas accessible, il est accessible en faisant un glitch. Et pour rappel, j'ai fait une petite vidéo dessus hier et je vous la mets en fin de cette vidéo pour savoir comment pouvoir le placer sur votre arme sans devoir mettre le kit de conversion.
Voilà, j'espère que ça a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.